Bien voilà, mesdames et demoiselles, messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce numéro de l'édition numéro vert, c'est-à-dire un entretien téléphonique avec nos compatriotes qui sont sur place au Congo. Aujourd'hui, cap sur Sibiti, dont l'Alekoumou, nous allons retrouver monsieur Fabrice Mbani et Christian Mabiala. Bonjour, si vous m'entendez, les amis. Bonjour. Merci beaucoup, merci d'être disponible aujourd'hui pour parler de Sibiti. Alors, comment ça se passe là-bas, Sibiti? Comment se porte Sibiti? Sibiti, ça se passe un peu bien pour nous qui vivons, mais sinon que politiquement, rien ne marche. Juste le PCT qui est en train de faire ses campagnes, qui commence déjà à lancer de l'argent par-ci, par-là. Sauf que c'est des galères, pas de boulot, des crises. La santé ne marche pas. Donc. C'est-à-dire la santé, voilà, trop de problèmes. Vous avez cité la santé, l'éducation et autres. Qu'est-ce qui se passe dans la santé? Il n'y a pas des hôpitaux? Mais les hôpitaux sont bien là, mais avec la crise, vous arrivez à l'hôpital, vous n'arrivez même pas à acheter une ordonnance de 5 000 francs. Même l'argent de consultation, il n'y en a pas. Comment est-ce que vous allez expliquer ça, doyen? Juste la consultation, vous n'en avez pas. Et quand donc, on va vous faire la consultation, il faut payer combien? Au moins 2 000, 2 500. Mais le 2 000, là, pour en avoir, c'est tout un problème. Pas des entreprises. Ce sont les hôpitaux privés ou bien les établissements sanitaires publics? C'est l'État. C'est les hôpitaux. Et on vous demande... Vous ne pouvez pas être traité si vous ne commencez pas par payer votre consultation. Donc, si tu n'as pas d'argent, on ne prend pas soin de toi, c'est ça? Tu meurs. Non, tu meurs. Il n'y a pas l'assistance à la personne en danger, il n'y en a pas. Les services sociaux n'existent pas. Donc, du coup, tu meurs. Alors, vous avez dit qu'il y a comme une campagne déguisée, en fait. Peut-être pas déguisée, hein, ciel ouvert. De toute façon, la campagne, on est en train d'assister, bien que nous ne soyons pas encore en période de campagne, mais il y a déjà des partis politiques qui ont commencé la campagne. Ah oui, Parti congolais du travail et... comment ça appelle ça? Leurs compagnons de lutte qui disent que la mouvance présidentielle. Donc, ils sont là déjà à mobiliser les gens, à donner déjà de l'argent. Ils sont en train de faire les adhérations dans le parti PCT. Donc, ils nous font croire qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent dans le PCT. Ça se passe dans tous les quartiers. Les présidents du parti arrivent, ils mobilisent les gens. Il y a l'argent qu'ils vont donner à la fin. Ils savent que si je vais là-bas, j'ai au moins mes 5 000 ou 10 000 francs. Je vais pointer pour la journée d'aujourd'hui. Et un peu ce qu'on appelle l'achat de conscience, c'est tout ça? Tout à fait. De lors que le citoyen lambda n'a rien, il va faire quoi? Il va aller prendre les 10 000 pour manger, au moins c'est deux jours. Mais après, il sait bien que le pays est là, il souffre, mais il n'a rien à faire. Et au niveau, par exemple, du tissu social et économique, qu'est-ce qui se fait à Sibiti? Il y a quoi exactement pour occuper les jeunes? Vous avez dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas non plus une société ou rien du tout qui peut occuper les jeunes, qui emploie les jeunes? Non, il n'y a rien qui préoccupe les jeunes. Les jeunes vraiment sont abandonnés à eux-mêmes. Mais ce qui fait un peu mal passer, quand on les rassemble juste pour des activités, quand il y a des petits billets, on les rassemble. Je pense que la municipalisation est passée par là, donc il y a dû avoir des voies, des routes, comme on le dit, un peu les infrastructures de base, c'est-à-dire l'hôpital, les marchés, qu'est-ce que je sais encore. Nos hôpitaux ici, là, quand il n'y a pas de moyens, vraiment c'est difficile qu'on puisse vous prendre soin. Donc, on a des gens qui meurent, par exemple, juste, il nous manque l'argent. Mais dans nos hôpitaux, il n'y a plus de l'assistance de la personne en danger. Que tu arrives, tu es d'abord malade, on va chercher à vérifier, tu vois quoi, il n'y en a pas. Ça, il n'y en a pas. Vraiment, il n'y en a pas. Et quand tu as l'argent, même les parents qui travaillent dans les hôpitaux te disent que les hôpitaux, ce n'est plus bon. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux, comme les infirmiers, qui sont aussi nos sœurs, qui nous disent, ah, venir à l'hôpital, là, il faut éviter. Donc, c'est compliqué. Nous savons plus là où nous allons, là où le Congo va. Sur le plan de l'éducation, les écoles, il y en a quand même, ça fonctionne. Bon, l'éducation, les écoles, vraiment, ce n'est pas comme on a fréquenté à l'époque. Ils ont tout commercialisé, même l'école. Actuellement, un enfant, pour faire le BPC, il faut payer, je ne sais pas, 23 000. Mais il y a de ces familles ici-là qui ne travaillent pas, même pour préparer la rentrée. Il y a plusieurs enfants qui ne vont pas à l'école, au niveau national même. Ça, je vous rassure. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, les parents n'ont pas de moyens de faire partir les enfants à l'école. Et quand vous allez à l'école, c'est des taxes, on vous demande de maintenant. Mais comment les parents peuvent payer encore les enseignants, les vacataires qui viennent à l'école et tout ça? C'est pas bien. Ça, c'est dans les écoles publiques ou bien les écoles privées? Ça, c'est les écoles publiques.
pas privées, mais des écoles. Donc les parents doivent payer les enseignants, c'est-à-dire les vacataires. Les enseignants ou les vacataires, ouais, en d'autres termes, c'est ça. Les gardiens, les quoi, mais qu'est-ce que l'État fait? Même pour manger, c'est un problème. Moi, je dis, il y a des citoyens congolais qui te font parfois deux jours, ils n'arrivent même pas à manger. Actuellement, tu vois, les enfants, là, nous ne sommes plus capables de payer même du quoi à manger à nos enfants. Et quand l'enfant trouve à la maison, il n'y a pas de soutien. Il va quoi? Il va dehors. Il y a quand même assez de jeunes qui travaillent, qui ont du boulot, ou bien c'est non, le chômage, mon frère. Et travailler ici. Travailler ici, là, c'est carrément la cour du pharaon, l'esclavagisme. Parce que dans toutes les sociétés, ils ont des sous-traitances qu'eux-mêmes, ils représentent. Jamais les sociétés payent les gens directement comme ça, là. Il n'y en a pas. Mais quelles sont des sociétés? Tu peux travailler dans une société pendant 3 ans, on te prend juste comme un journalier. Donc, la jeunesse de Sibiti est très mal garée. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui vous suivent à travers cette émission? Quel est le message que vous leur passez maintenant qu'on est proche d'une élection présidentielle? Pour moi, nous devons prendre conscience, c'est défendre d'abord notre patrie. Le Congo, c'est notre patrie. La direction que notre papa nous conduit, mais il est en train de nous amener dans l'herbe. C'est à nous, la jeunesse, de se mettre debout, de braver un peu la peur, dire à ce papa-là, c'est pas là, qui doit quitter, qui laisse seulement, il n'est pas l'unique, qui peut aussi amener ce pays, il a commencé depuis fort longtemps, jusqu'à ce jour, il ne peut pas, et il ne pourra pas aussi, qui laisse tomber. Le Congo n'est pas pour le PCT, mais le Congo, c'est pour les Congolais. Donc nous voulons que le Congolais puisse s'asseoir, regarder un peu la direction que nous sommes en train de partir. Ça nous amène où? Nous devons restaurer des choses. On est fatigué. On est fatigué. Alors, est-ce que Ngeke na message ya ku pesa ba kundiange na kikongo pour que ba kuwa ba mama na ba papa kuwange? Message mouke peska ka na ba pangi amon. Montre kwenda vote ke poko yan choisir yan exprimer au moins le zolo nan sa tuke ne yan. Me ku vote abete bou bien me kumaka ya kwenda bwesa ka kni bampas. Ba ke pesa bete 2000 na ko sacrifier 5 ans. Pet vandaka na ba inzo. Et ça li ke leve. Nous souhaitons qu'on connaisse la faute. Donc, ça ne sert même pas. Ok, il y a pas quelqu'un qui peut s'exprimer en lingala. Muntu ke leve motozate akolo ba lingala. Non, ngape na kolo ba pena lingala yaya. Po toza ba congolais. Ok. Na kina lo ba pena lingala po le nord le sud toza ba congolais. Ezo simbate. Niezala na ba frère bazolo ezo simbate. Donc na biso lelo eza ça sert même pas que toi qui ne peux pas voter tout ça la toti kala na banda ko toti ka papa continuer chemin. Est-ce que ko voter yemuka yebika ko yike non? Mais ce que vous votez, tu peux la carte navanda pour passer déjà par point par vote parce que nous sommes censés. Parce que tout à mon dodin. Ok, na ton divino mingi, tozala qui donc na baninga na biso depuis Sibiti. Il s'agit donc de Fabrice Mbani et de Christian Mabiala. À moins que vous ayez encore quelque chose à dire, un message particulier à l'endroit de vos amis, mais sinon on va mettre terme donc à notre numéro vert aujourd'hui. Depuis Sibiti, dont l'Alekoumou. Mais Koundiangé, mais vous êtes à Diambouvé. Allô? Bon, mais je crois que la ligne donc s'est coupée. Nous étions donc avec nos amis depuis Sibiti, dont l'Alekoumou. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro vert. Vous pouvez également nous faire des propositions, nous écrire.